Hey, comment allez-vous? Bon, comme vous le savez, la plupart des boîtes de nuit en France ont fermé. La plupart, toutes? Ça, c'est une question à laquelle je pourrais pas forcément vous répondre. D'ailleurs, un gros big up à vous parce que ça a dû être une passe très difficile. Et aujourd'hui, pour pallier à ça, on va transformer mon salon en boîte de night. Grande nouvelle, vous êtes tous invités à vous abonner et mettre un petit like sur la vidéo. Et non, évidemment, je ne peux pas mettre tout le monde dans mon salon. On va se mettre où? Même si on va pas se mentir, le salon est plutôt grand. Je vais pas pouvoir caser tout le monde. C'est pas possible. Faites pas gaffe au bordel derrière sur la table. J'ai tenté de monter un petit setup histoire de streamer le soir tranquillement dans le salon. Mais je comprends pas, il y a toujours un truc qui va pas lorsque je veux lancer un stream. Toujours! J'ai tout un tas de réglages à faire. Alors quand je joue à un jeu, le jeu tourne nickel, bien, à fond les ballons. Mais par contre, sur mon retour au Streamlabs, il lag. Et ça, je comprends pas. Va savoir pourquoi d'ailleurs. Mais bon, ceci est un autre sujet. Aujourd'hui, c'est la marque Goovy qui m'ont proposé de tester ce kit Ambilight pour télé. Alors, c'est complètement standard, c'est universel. C'est-à-dire que ça va se mettre sur toutes les télés. Alors, sur toutes les télés, allant jusqu'à une taille de 165 cm. Au-delà, il faudra très certainement autre chose. Alors, si vous êtes un minimum perspicace et que vous êtes abonné à mon autre chaîne, je vous avais déjà présenté très brièvement ce kit, puisque c'était une vidéo sponsorisée. Mais cette fois-ci, je vous propose de vous présenter le kit en détail, parce que j'ai trouvé ça pas mal ouf. Mais ici, la vidéo n'est pas sponsorisée. Ma foi, ça ne m'aurait pas déplu. Passons! Qu'y a-t-il à l'intérieur de la boîte? Des bandoulettes, des notices, 1, 2, 3, 4 boîtes, le transformateur qui est juste ici. Vous savez quoi? Je sais que les unboxings en général, ça peut être un moment chiant. Vous, ce que vous voulez voir, c'est le résultat final. C'est ce qu'on veut voir. Et bah c'est parti mon gars! Oula, oula, on se calme. Et bah voilà! Là c'est mieux! Là ça fonctionne! Là on y voit plus clair! À l'intérieur de ces deux boîtes, qu'ai-je déballé? Eh bien, un bandeau LED, deux transformateurs, deux boîtiers, deux caméras, deux barres lumineuses. Oui, ça fait beaucoup de trucs par deux. Et c'est tout. Et des notices. Donc vous n'en avez rien à foutre. Hop 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 hop, arrêtez! Je le sais très bien! Je le vois bien que vous avancez les vidéos, que vous voulez voir le résultat final à chaque fois. Et bah ça tombe bien! On y est! Bon alors, la grande différence avec une vraie télé de chez Philips Ambilight, sur laquelle, je vous le rappelle, ils ont déposé un brevet, ça va être que ce kit fonctionne avec des caméras qui vont capter les couleurs de votre télévision. Alors Philips ont déposé un brevet sur les télés Ambilight, c'est-à-dire qu'aucune autre marque n'a le droit d'utiliser ce système. En revanche, il n'est pas interdit de fabriquer un kit qui va imiter le système Ambilight. Malin le lynx. L'inconvénient par rapport à un vrai système Ambilight de chez Philips, encore une fois, ça va être que les caméras vont pouvoir capter les lumières parasites extérieures, ce qui fait que la lumière va avoir tendance à tirer au rouge si vous utilisez des lumières en regardant la télé. La fidélité des couleurs va être beaucoup plus précise en regardant la télé dans le noir complet. Exemple. Cette fois-ci, on est dans l'obscurité totale. Comme vous pouvez le voir, je peux faire des ombres chinoises avec mes mains. Et je trouve ça plutôt stylé, je trouve que je fais vachement bien la mouette, c'est à noter tout de même, même moi je m'épate. Donc là, la fidélité des couleurs va être beaucoup plus précise. Voyons voir si on rallume les lumières maintenant. Les couleurs vont être un peu moins fidèles, mais franchement, ça fait le taf derrière, ça crée plutôt une ambiance super jolie. Autre petit inconvénient, ça va être les caméras. Vous voyez qu'il y en a une installée juste au-dessus de ma télé, il y en a une autre en dessous qui est cachée par mon gros corps qui est devant vous. Caméra que je trouve assez disgracieuse, pour le coup, je pense qu'il y avait mieux à faire au niveau de la discrétion. Alors, je suis pas ingénieur, mais à mon humble avis, ils auraient pu faire un petit peu mieux, je pense. Bon, après, je vous rassure, les caméras sont vite oubliées quand vous regardez la télé ou quoi, vous y faites même plus attention. En revanche, gros avantage, ça va être le prix, bien entendu, puisqu'un kit comme celui-ci coûte moins cher qu'une télé Ambilight. Et surtout, autre avantage, c'est que ce kit va être compatible avec absolument toutes les télés. Il est standard, il est universel. Alors, il est universel pour les télés allant jusqu'à une diagonale de 165 cm, ce qui est tout de même plutôt pas mal. Moi, ma télé ne fait pas 165 cm. Elle fait 107 cm et vous voyez que le kit s'installe très bien derrière. Alors petite astuce pour l'installer pour les télés qui sont un peu plus petites comme la mienne, va falloir les installer en accordéon derrière la télé. C'est la petite astuce du chef pour les rendre compatibles. Bien entendu, plus votre écran est petit, plus va falloir les mettre en accordéon derrière. Et plus votre écran est grand, plus ça va s'étaler naturellement. Donc là vous le voyez, j'ai deux kits derrière. D'une part les Goovy Immersion qui vont être les bandeaux LED qui sont installés derrière la télé. Et d'autre part les Goovy Flow Pro, dans ce sens-là, c'est mieux. Qui vont être cette fois-ci les barres lumineuses que vous voyez de chaque côté de la télé qui sont installées sur mes enceintes. Alors si je devais en choisir un des deux, je prendrais personnellement la bande lumineuse qui se trouve derrière la télé, que je trouve plus précise. Si vous le pouvez, évidemment, je trouve que ça fait plus joli d'avoir les deux kits. Donc je crois qu'au niveau de l'avantage du prix, j'en ai parlé.
Quoique, un kit comme ça, c'est pas donné non plus. Je vous laisserai aller checker dans la description si ça vous intéresse. Mais ce sera toujours moins cher qu'une vraie télé Ambilight. Et franchement, ça fait plutôt très bien le taf. Donc Goovy, comme vous l'aurez deviné, est une marque qui se spécialise dans les kits Ambilight pour télévision. Mais pas que, ils font également des LED en décoration ou quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, personnellement, ce que je trouvais le plus intéressant, hormis les LED décoratives, c'était vraiment le kit Ambilight pour la télé. Un truc qui est plutôt cool, éteins les lumières. Ok, j'arrête les deux lumières. Allume les lumières. Très bien, j'allume les deux lumières. Règle la luminosité sur 30%. Je règle la luminosité. Pas du téléphone, putain, bah oui. Non, excusez-moi. Faut tout lui dire à ce Google. Règle la luminosité des lumières sur 30%. Ok, je règle la luminosité des deux lumières sur 30%. Règle la luminosité des lumières sur 100%. Ok, je règle la luminosité des deux lumières sur 100%. Plutôt cool, non? Alors ça va marcher avec Google Home, Alexa, ou bien même votre téléphone, comme ici. Alors petit inconvénient également, ça va être pour disposer la caméra, pas celle du haut va très bien s'adapter sur votre écran, il n'y a pas de souci. Ça va surtout être celle du bas. Les adhésifs qui sont d'origine sur la caméra vont avoir tendance à se décoller avec le poids de la caméra. Moi personnellement, j'ai dû rajouter une bande adhésive et du carton en dessous pour la tenir. Aucun souci pour celle qui est posée sur la télé puisqu'elle est déjà dans le bon sens. Celle du bas en revanche va avoir tendance à tirer vers le bas. Ça c'est un petit peu dommage. Après vous allez bien sûr avoir l'application Goovy qui va vous permettre de tout agencer au niveau des lumières. C'est-à-dire que là, si je veux, je peux juste éteindre les bandes LED derrière moi. Je peux éteindre les barres lumineuses. Vous allez vraiment pouvoir régler pas mal de trucs avec l'application. Par exemple, la saturation des couleurs. Vous pouvez la baisser complètement, la monter. Vous avez un mode jeu. Vous avez l'éclairage en partie ou l'éclairage universel. Moi, personnellement, je vous conseille l'éclairage en partie. C'est-à-dire que l'éclairage universel, en fait, si vous voulez, il va faire qu'une couleur derrière la télé. Peu importe la couleur qui apparaît à l'écran, il va prendre celle qui prend le plus de place et il va la restituer derrière la télé. Alors que si vous faites en partie, il va vraiment prendre chaque couleur du coin de l'écran et puis la restituer au bon endroit. Vous avez bien sûr un mode musique. Donc là, par exemple, je mets le bandeau LED en mode musique. Je vais mettre également les barres lumineuses en mode musique. Et là, vous allez voir qu'à chaque fois que je vais parler, en fait, à chaque fois qu'il y a un son, et bien tout simplement les lumières clignotent. Voilà, si j'arrête de parler, ça fait plus de lumière. Ça marche bien, hein? Oh là, oh là, oh là! C'est pas mal franchement hein. Hey Rodriguez. Tiens, la météo. Ah ben ça va, ça fait beau chez moi. Donc vous avez compris qu'en fait ça va jouer avec le son de votre télé, mais également le son de votre voix. Donc là je vais les remettre en mode vidéo. Donc après vous pouvez personnaliser les couleurs. Vous avez un minuteur, vous avez vraiment plein de trucs. Et donc voilà, là ça va plus être par rapport au son, mais par rapport aux couleurs de la télé derrière. Et bien écoutez, en tout cas j'espère que cette petite présentation vous a plu. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas le petit soutien avec le petit like. Vous pouvez vous abonner bien entendu, en espérant vous en avoir appris un petit peu plus sur la marque. Personnellement, je savais même pas que ça existait. J'ai appris l'existence de ces systèmes Ambilight il y a pas longtemps. Alors là par exemple c'est Goovy, mais il me semble qu'il y a d'autres marques qui font des systèmes Ambilight. Et donc ce sera à tester, pourquoi pas, si je peux tester d'autres marques de kits Ambilight pour télévision, ce serait plutôt cool. Et je vous présenterai ça bien entendu en vidéo. Allez sur ce, passez une bonne journée, passez une bonne soirée, on se retrouve très prochainement pour de prochaines aventures. Ciao !